De voortreffelijke West-Duitse vier plaatsen zich voor de halve finale. De ploegen van Tsjechoslowakije, Australië en de DDR Oost-Duitsland. Inmiddels zijn we aanbeland bij de halve finales uit het toernooi van de dames sprinters. En daarin toch een kleine verrassing. We kijken naar de derde en beslissende rit tussen de titelverdedigster van vorig jaar, de Amerikaanse Connie Paris-Kevin, hier in tweede positie. En de volslagen onbekende Française, hier is ze, Isabelle Nicoloso. Nicoloso won de eerste rit, Paris-Kevin kwam in de tweede rit goed terug. Maar de wereldkampioene moet toch een derde rit krijgen om te proberen zich andermaal voor de finale te plaatsen. De ronde gaat in en de Française is er toch in geslaagd, terwijl ze van koppositie moest vertrekken om de Amerikaanse de koppositie op te dringen. En nu eens kijken of Paris-Kevin kracht genoeg heeft om in de slotfase van deze sprint langs zij bij de Française te komen. Dat kan ze en de wereldkampioen van vorig jaar. Deze strafde om de derde en vierde plaats aan landgenoot en Boteron geblesseerd moest opgeven. De laatste ronde is ingegaan in de finale rit. Lommage onderdoor. En nu zal de taak van Paris-Kevin zijn om de trachten er nog langs te komen. Het is Connie Paris-Kevin uit de Verenigde Staten die haar vorig jaar. Bonsoir et bienvenue à nouveau à ce Vélodrome d'Herlikon. Nous nous allons suivre la vitesse féminine. Nous en sommes maintenant au deuxième demi-finale qui oppose Claudia Lommage de la République fédérale allemande à Isabelle Gautron, la française. Alors que dans la première manche, que vous n'avez pas vue, Isabelle Nicoloso a remporté la victoire face à Connie Paris-Kevin. Ça a constitué d'ailleurs une petite surprise, mais bien entendu, il reste une deuxième manche à accomplir pour qu'elle s'assure la place en finale. En tout cas, Claudia Lommage ici et Isabelle Gautron, nous pouvons espérer une victoire, une nouvelle victoire de Gautron, une nouvelle victoire française donc, car Gautron, d'une manière générale, on peut le dire, Pierre Chaly a déjà battu Claudia Lommage à plusieurs reprises, notamment à Paris et sur les pistes étrangères. Oui, elle est en excellente condition actuellement et c'est d'ailleurs elle qui a réalisé le meilleur temps dans le tournoi en battant en quart de finale en 12 secondes, 11 centièmes. Dans quelques instants, donc, nous serons tournés. 12-14 pour Nicoloso. Dans la première demi-finale, Isabelle Gautron en ce moment en piste. Elle joue avec beaucoup d'assurance. Elle n'a pas la meilleure position, il faut le dire, mais elle n'est pas déjà la réelle bêtise. Isabelle Gautron, qui a réalisé les meilleures planches jusqu'à présent. Et la course, ça c'est pour pas que je suis en match attaque la française. Elle est obligée de ralentir car elle a été serrée, mais très régulièrement. Et maintenant, elle doit attaquer. Elle est battue. Elle est battue, donc. Elle va descendre. Elle commet une petite erreur, elle monte un peu haut, mais non. Ouais. Alors voilà, elle a changé de tactique, et on va voir si Nicoloso est suffisamment rapide. Il est sur le dernier virage, Pierre. Il faut qu'elle soit très rapide, oui, pour la déborder. Elle peut l'être. C'est trop dur, non, c'est fini. Ah. Tant trop tard. 11-81, pourtant, apparemment, il faudra une photo finish peut-être. Lommage va-t-elle prendre les initiatives? Faut pas qu'elle tarde de trop, qu'elle attende encore un peu et qu'elle plonge. Mais Lommage a compris et elle a été bien jouée. Très surprise, elle a été surprise, Lommage, par Gautron, et elle ne peut pas la remonter, non, semble-t-il. Assez soutenu, de façon à éviter les surprises, la surprise d'un démarrage, et elle accélère, mais en dedans de son action, et c'est là, et elle ne peut pas, vous voyez. Ah non, elle n'arrive pas. Elle peut pas, non, elle peut pas.
Elle n'arrive pas à passer, non. Elle a mal à l'épaule, elle n'a même pas essayé. Et on la siffle, tout à fait injustement d'ailleurs, puisqu'elle sera pour le moins deuxième. Elle accélère au train par Askevin. Ah oui, oui, elle va vite là. Ah, elle va très vite. Mais elle est partie de loin, peut-être de trop loin. Et là, elle risque d'être battue car l'Allemagne, l'Allemande finit très fort souvent. Et elle la bat. Bravo, elle est partie effectivement. On fait l'extérieur. Rapide Paraskevin part encore beaucoup trop tôt, semble-t-il. Elle C'est la répétition de la première manche. Exactement, elle refait la même erreur. Mais cette fois, elle en teste. Le match plonge à la corde. Elle attaque très tôt, trop tôt peut-être, car Paraskevin est une excellente finisseuse. Elle est en bonne position, Paraskevin. Et oui, elle l'emporte. Comme on le pense, à prendre le meilleur sur...